Avec Gilles Bosch et Aline Coste après la victoire de Carcassonne face à Brive. Tout d'abord, bravo messieurs pour ce combat, pour cette victoire et cette belle victoire. Je crois que le public vous le rend bien aussi parce que nous on est dans les tribunes et on voit des supporters super contents. Donc bravo et encore félicitations. Gilles, on va commencer un petit peu par toi. Comment tu as ressenti ce match? Un match dur, vraiment je pense un peu fermé. De l'extérieur, ça ne veut pas être top à regarder. Mais voilà, aujourd'hui il faut... Moi, je tire mon chapeau aux avants, ils ont été exceptionnels. Je pense aussi aux joueurs qui sont rentrés, comme Seb qui est derrière, hein, Georgis qui a fait un match aussi exceptionnel. Tout ça fait qu'aujourd'hui, cette force de groupe fait qu'on arrive à tenir tête face à des équipes avec des effectifs peut-être plus denses, avec d'autres moyens, mais vraiment, je suis fier de l'état d'esprit de tout le monde aujourd'hui. Aline, gros combat ce soir. Nous, on a vu les impacts, c'était du solide, hein. Oui, c'était très très dur. On s'attendait à avoir un match très dur. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde de gagner une grosse équipe comme Brive et il faut continuer. Après, voilà. Je ne sais pas quoi dire parce que ça fait tellement plaisir à gagner des grosses équipes. Et Gilles, est-ce que lorsqu'à la 78e tu réclames qu'on te file le ballon pour un drop et pour enlever Brive du bonus, est-ce qu'il n'y a pas une frustration quand même sur cette fin de match? Oui, il y a une petite incompréhension avec, avec Josh. Bon, c'est pas grave, mais non, c'est dommage parce qu'on peut se mettre le feu à la fin. Heureusement qu'on ne se met pas à la faute, qu'on défend bien. C'est juste pour ça, après, comme l'a dit Christian, que Brive prenne un point. Oui, ils seront en haut, on va pas se mentir. Donc ça, c'est pas grave, mais bon, au moins pour la suite, on saura mieux se trouver. L'état du groupe, l'état d'esprit du groupe, tout du moins devant, on sent vraiment une osmose des avants, de toute l'équipe en général, mais là, on va parler ce soir parce que ça a bien castagné devant. L'état d'esprit, est-ce que le groupe va bien, j'ai l'impression? Et c'est justement, je pense que c'est ça qui fait avancer un peu l'équipe parce qu'on est tous, c'est une bande de copains, on s'entend très bien, on vit bien ensemble et je pense que c'est ça. C'est pas parce qu'il y a des meilleurs, un meilleur que l'autre, mais je pense que c'est l'amitié, on est une bande de copains et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Gilles, le vent a joué un rôle ce soir parce qu'on sait que Carcassonne sait jouer avec le vent. Les équipes qui viennent à Carcassonne ne savent pas forcément jouer. Est-ce que ce soir ça a compté? Moins que d'habitude quand même. Il y en avait moins. On pouvait taper d'un ballon. Il y a des soirées où quand tu es contre le vent, tu peux pas taper. Donc ça influe encore plus sur le match. Là quand même, ça allait. Parce que ce soir tu fais un sans faute au pied quand même. Ouais, après, bon, c'était... Il n'y a pas eu trop en coin, ça allait. Il y a des matchs où c'est pire, hein. c'est un peu compliqué. Merci messieurs, bonne continuation, prochain match Biarritz, à Biarritz, bon courage.